Là, je pense que j'ai le temps de mettre toute la fin du jeu dans cette vidéo. Au pire, je comprends. Vous voyez, à côté de Warg, c'est vraiment de la grosse merde. J'essaie d'aller vite. Le phare est en train de s'allumer. Moi j'ai le temps de dire, je pense que vous aussi. Sauf que nous, je vous rappelle, on a l'étoile de Mars. Et eux, ils ont plus de mystique de feu, donc ils pourront pas rentrer dans le truc de Mars. Et là, hop, le phare s'allume. Ouais, il coupe tout en 4 là. 4 quarts. Allumé. Là, c'est une tragique, attention. Vénus, c'est la Terre, je vous rappelle. Donc, trop cliché, bon. Et voilà. Suicide de couple. Non, je déconne. Bonne question. Et là, tada, magie. Oui, c'est un phare, quoi. Voilà. Ouais, on va chercher une âme, ça. Donc là, je les contrôle pas, hein, tout se fait tout seul. Et heureusement, on se retrouve automatiquement là-bas. Olina était avec Telos, je vous rappelle, sur le bateau de Salamander Phoenixien. Donc Ocelia, voilà, est tombée du haut du phare avec Pavel. Qui était juste à côté de l'eau, je vous rappelle, donc ils sont tombés dans l'eau. Vous vous rappelez la taverne pour aller au bateau et qu'on avait essayé d'activer avec l'orbe noire? Vous vous rappelez de ça, je pense. Je
réponds oui tout le temps. Voilà, ils expliquent. Ouais, voilà. Maintenant, quand même, le genre de cours. Donc, c'est pour ça que vous allez pouvoir atteindre le frère de Vénus, machin. Donc, je passe, oui, je sais, c'est parce que j'aurai pas le temps. Donc, Gary, tu fais son con, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, ça se peut déjà d'important, tout ça. J'espère que vous retrouvez Slipper. Hop. Là, il nous dit d'attendre dehors. Donc là, il dit que Yodem ne pas dehors. Bon, je résume ce qu'il nous dit. Voilà, quand vous avez regardé la mer, vous avez vu le frère de Babi, machin. Et Babi, je vous rappelle qu'il voulait aller à Lemuria. Donc voilà, on doit utiliser le bateau de Babi pour aller à Lemuria. Il nous donne l'orbe noire pour Lemuria. Je dis au moins une fois Lemuria dans chaque fois. Donc il dit que le navire est ici. Parce que je vous rappelle la caverne inondée, hein, comme il l'avait dit. Putain, j'espère que ça va tenir sur une vidéo là, bordel. Je peux faire une vidéo de 5 secondes après, ça fera chier. Allez vite. Bon là, ils disent de la merde, hein. Ils disent juste qu'ils veulent qu'on retrouve Lemuria et comme on est mystique, on a plus de chances que de le trouver, voilà. Allez, fais pas chier. Temps de partir, donc là je vous montre et voilà, putain ça fait plus de 20 minutes maintenant, donc là faut aller là. Bon, je reprends la vue dans deux, attendez. Donc voilà, on fait ça, orbe noir. De toute façon, c'est pas important les dialogues, je vous le dis, parce que c'est pas vraiment la fin, puisque le 2 c'est la suite directe. Je vais baisser un peu le son. Là, je laisse les dialogues, de toute façon, je vais couper en deux. Et voilà. Voilà la fin de ce magnifique jeu.
Donc c'était mon premier Voxo Golden Sun. Et j'espère que vous avez bien aimé. Merci de laisser des commentaires, ça sera sympa. Et je crois que je vais vous laisser là. Donc juste pour info, là on voit des décors du jeu, voilà. Là on peut reconnaître. Voilà. Enfin ça c'est des vrais comment, des lieux. Voilà, c'est des petits dessins. La forêt de Mogal, etc. Et donc, tout n'est pas fini, puisqu'on va se retrouver dans le prochain Golden Sun, Golden Sun 2, l'âge perdu, The Lost Age, en version originale. Donc, voilà. Et merci de laisser des commentaires, et donc, salut, et je récupère le code, et je vous retrouve pour le prochain Golden Sun. Salut, merci à tous.